Alors, mes salutations à tous. Comme promis, je vous ai promis une petite vidéo assez courte pour vous expliquer la détermination du jour de la Pâque. Ce ne sera pas une étude en réalité, ce sera juste pour vous expliquer le mécanisme. Alors, aussi bien chez les catholiques que ceux qui se disent juifs. Ok, donc. J'ai été dans Google et puis j'ai tapé Biberline et j'ai pris Biberline en fait. Donc on va aller dans Exode. J'ai préparé des petits passages. Hein. Il y en aura deux de passages et puis après je vous montre le mécanisme. Alors si on va dans Exode 12, dans le verset 2, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ensuite, on va dans le verset 6. Alors, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Alors, le c'est juste au-dessus. Hein. C'est un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Donc, en fait, c'est juste pour dire que c'est le premier mois de leur sortie d'Égypte, le 14e jour. Le soir, en tout cas le 14e jour, et le soir qui suit là, ça va être la Pâque. En fait, il faut bien comprendre que les jours, on va dire les jours, étaient une nuit et un matin. Le matin, c'est comme la journée en fait. Donc, c'est comme. On peut dire une nuit, un jour, ça fait une journée. Donc, si vous voulez, on va aller voir ça avec nombre 28. Alors, toujours dans la lui second que j'ai pris là. 28. Et on va aller voir le verset. Oh, mais j'ai été trop loin. Verset 17 ou 16. Alors, voilà ce qui est dit. Le premier mois. Le 14e jour du mois sera la Pâque de l'Éternel dans la version là, du Tout-Puissant. Le 15e jour de ce mois sera un jour de fête. Donc en fait, on voit que la fin du 14e jour, ça veut dire que ce serait le début du 15e. Donc on mangera pendant 7 jours le pain sans levain. Le premier jour sera une sainte convocation. Donc le jour qui suit. Sera comme cette convocation, un jour de fête, et vous ne ferez aucune observation, c'est une forme de Shabbat, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est vraiment le mécanisme. Après, pour expliquer comment ça fonctionne, je dois vous expliquer un peu, bon, il est en anglais, mais on va le prendre en français, hein, c'est pas. Regardez, il y a deux équinoxes dans une année et deux solstices dans une année aussi. Donc vous tapez équinoxe en français, en ce que vous voulez, et vous allez voir ça. Donc il y en a un équinoxe au mois de mars. En fait, c'est par cycle, mais c'est toujours le 20 mars. Il y a ensuite un autre équinoxe le 23 septembre, qui est le début de l'automne. Et deux solstices, il y en a un qui est le 21 juin, qui coïncide avec la fête de la musique. Bon, là encore. Bon, c'est pas une étude sous les fêtes, mais on le fera plus tard si le Tout-Puissant le permet. Et puis il y a aussi le 21 décembre qui est le début de l'hiver. Donc vous voyez qu'il n'y a rien au hasard en fait, hein. Ensuite, donc on a vu qu'il y a nous, ce qui nous intéresse, c'est le 20 mars. On va aller chercher un calendrier lunaire. Alors, j'ai pris celui-ci. Hein, vous tapez calendrier lunaire. Et puis, vous prenez celui qui est marqué calendar, quelque chose comme ça. Donc, si on prend 2018 comme il était là, il faut prendre en considération la nouvelle lune. Bon, je ne vous explique pas l'année au complet. Parce que ça, c'est l'année, on va dire, le calendrier grégorien. OK? Mais. On a besoin de ça, il y a quand même des nouvelles lunes. Donc la nouvelle lune, c'est quand il n'y a pas du tout de lune, quand tout est noir.
Mais je vais pas vous expliquer ça maintenant, mais il y a bien une raison. Il y a bien une raison de comprendre ça en ligne de compte, ok? En compte. Oui, en compte. Donc, alors, il y en a qui prennent le jour 1, la nouvelle lune. Il y en a qui prennent le jour après, donc le premier jour travaillé. Bon, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il faut prendre là, c'est pas l'objet, c'est peu importe ce que vous prenez, c'est le mécanisme en fait qu'il faut comprendre. Donc, si on prend maintenant le premier jour, ce serait comme le 18, ok? Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, le premier qui est là serait entre le 31 mars et le premier, ce serait la Pâque. Et le 15e jour serait le premier jour des pains sans levain. Vous lisez ça dans les deux passages que je vous ai donnés, mais il y en a d'autres. Donc, en réalité, le premier jour qui suit on va dire, l'immolation de la Pâque, c'est le premier. Donc, on dit communément, la Pâque, c'est le 1er avril. Mais en réalité, quand vous voyez ici, qu'est-ce qu'il est dit? Mais non, pas celui-ci. Le 28. Le 28. Non, 28. On vous dit dans verset 16, le premier mois, le 14e jour du mois, sera la Pâque du Tout-Puissant. Donc, c'est bien le 14e jour du mois qui est la Pâque. C'est pas le 15. Mais bon, c'est juste pour vous montrer, mais c'est pas l'objet de l'étude, hein. Donc, eux, ils prennent le premier dimanche de la même semaine de la détermination du jour. Donc là, ça tombait le 31. Donc ça, c'est pour les catholiques, hein. Et ils prennent le premier jour, le premier dimanche. On va prendre, par exemple, si on prend 2010, c'est le même principe. Donc ils prennent en considération le 20, l'équinoxe du 20 mars, et ils vont prendre celui qui est le plus proche, la nouvelle lune qui est la plus proche. Donc on voit ici, c'est celui-ci, c'est pas celui du mois d'avril, c'est celui de mars. Donc on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Donc eux, ça va tomber le 4 avril parce que ça tombe dans la semaine de, on va dire, dans le calendrier grégorien, la semaine du 4 avril. OK? Donc, ils prennent toujours par rapport à l'équinoxe du printemps et ils déterminent la date de la Pâque, de leur Pâque. Donc, on va prendre. Si on prend 2010, bon, j'avais déjà fait une vidéo et puis c'était pas bon, donc j'ai repris. Alors, on va prendre la Pâque 2010. C'est le 4 avril, ok? Donc, ça colle avec le 4 avril. Tout à l'heure, on avait vu 2018. Bon, vous le connaissez, mais je vais quand même vous le démontrer. C'est le 1er avril. Nous, on avait pris. On va prendre 2012. On va faire à l'envers là. 2012, c'est le 8 avril. Donc, est-ce que ça colle? On va aller dans 2012. 2012. On va attendre un peu. Ok. Donc, 2012. Alors, l'équinoxe du printemps, c'est le 20 mars. Donc, le plus proche par rapport aux deux, c'est celui du 22 mars. Donc, on va commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc pour eux, c'est la semaine. Ça tombe là. Donc ils prennent le premier dimanche qui suit.
ou c'est confondu, peu importe, mais c'est le premier dimanche qui suit. Donc ça tombe le 8 avril. Mais je vais en prendre un petit dernier. On va prendre. On va prendre 2015, par exemple. C'est le 5 avril. Donc 2015, c'est le 5 avril. Et nous, ça va faire. J'aurais pu prendre plus loin dans le temps, mais c'est parce que ce serait difficile de qu'il me donne le résultat tout de suite. Donc si on prend ça, ah, ça coïncide. Le 20 avec la nouvelle lune. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc ça tombe bien le 5. Donc le 14, c'est le 14e jour. C'est le vendredi. Donc ils prennent le premier dimanche qui suit. Donc ça fait le 5. Et ça marche tout le temps. Maintenant, si on prend pour ceux qui se disent juifs, là, donc on va dire Pâques juive. Et ça, et le 31 mars. Donc 31 mars, ça c'est 2018. Alors, ils prennent toujours en considération la nouvelle lune. Ça dépend. Des fois, ils prennent la nouvelle lune directe parce que c'est en fonction du petit croissant de lune là, ou ils prennent le jour d'après. Donc, si on prend ça, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, ils comptent le jour qui vient après, ok? Ils disent c'est le premier jour du mois. Bon, je ne vais pas vous dire si c'est vrai, si c'est faux, je vous montre comment ça fonctionne. Donc, c'est le même principe, mais eux, ils prennent vraiment le jour qui compte. Mais vous pouvez faire le même exercice, vous allez voir que ça marche. Donc, je vais être court, précis, concis, ludique, ok? Donc, voilà comment ça marche. Mais ce que je voulais préciser à travers ça, parce qu'il y avait une petite idée derrière la tête, c'est que ils prennent en considération la nouvelle lune. On voit pas tellement ça en français, mais en anglais, on voit facilement que moon vient de month. Donc, on voit qu'il y a un lien entre nouvelle lune avec mois. Okay? Donc, je vais m'arrêter là. Par la suite, si le Créateur le permet, si le Tout-Puissant le permet, il faudrait qu'on parle des fêtes. Je vous dis, il y a beaucoup de choses, des fêtes, qu'est-ce que ça signifie, la Pâque, à ce niveau-là, qu'est-ce que c'est la Pâque. Et vous verrez que, surtout pour je veux dire, ce qu'on appelle black ou noir, là, j'aime pas trop ce terme parce que il y a les Indiens d'Inde qui sont noirs aussi, donc ça pas vraiment beaucoup de sens, mais c'est simplement on essaie de se trouver les mêmes codes pour qu'on se comprenne et sans dénaturer trop les choses, donc on va dire un noir. Et donc j'ai entendu beaucoup dire oui, mais si je suis dans un pays étranger, ben je vais en gros épouser les coutumes, donc épouser les fêtes de ce pays. Mais si ça, est-ce que ça voulait dire les fêtes? Ce que ça cachait, ce que ça représentait, ils allaient arrêter de faire ça, pas seulement dire ça. Parce que dans ce que je vous ai dit là, il y a la signification de la parole. Qu'est-ce que ça introduit? Qu'est-ce que ça provoque chez nous? La parole a un sens. Les fêtes, ça signifie quelque chose. Mais même la religion. Dans les écrits, sans aller dans. Ça s'explique par ce qui est écrit. Okay? On va voir l'origine des religions, etc., etc. Donc, je vous dis, il y a beaucoup de choses. Mais je voulais simplement vous montrer ça. Et puis, à tous ceux qui sont appelés par le Tout-Puissant à la repentance, à la réconciliation avec lui, celui qui fait grâce à qui il veut, donc ça. Ça sert à rien de venir tout le temps dire c'est pour le monde entier. Bon,
C'est lui qui choisit. Mais en tout cas, je peux vous dire, c'est pas le monde entier. Bon. Donc, c'est les gens qui disent ça, déjà, c'est pas les mêmes livres qu'ils disent. Ils disent autre chose. Donc, à tous ceux qui sont appelés à la repentance, je vous détermine, je vous dis pas encore qui c'est, parce que c'est pas l'objet non plus d'étude. Donc, enfin, en tout cas, de ce petit partage. Et je vous dis à tous ceux qui sont appelés à la repentance, j'insiste, Shalom.